Fanatique Timoudio, j'espère que nous en forme et je veux dire à ces dernières vidéos n'a fait sur Ligue des Champions côté que nous avons toute équipe nette avec tout résultat qui fait et il y a une équipe qui fait bon résultat Bayern, Real Madrid, Bayer Leverkusen et Atlético Madrid, équipe Monaco, équipe ça fait bon résultat parce que l'autre équipe tout bah là pas passé trop bien pour eux. C'est le cas de Barcelone, de Leipzig, de Stonegrass, ma même parlé de Stonegrass, c'est une équipe. Et l'équipe Sao, ça n'a pas fini trop bien passé pour eux, Manchester City dans le monde, ça n'a pas passé trop bien, parce qu'ils ont fait match 0-0 avec Inter, même si c'était choc première journée ça. Hier, il y a eu un reste match qui était joué hier après-midi, Feyenoord de Rotterdam tombé la Kylie devant Leverkusen qui bat 4-0, et Feyenoord de Rotterdam bat mauvais du tout, en est passé en Ligue des Champions, elle était même qualifiée pour les huitièmes de finale, et Leverkusen Krasel à Rotterdam même 4-0. Et Étoile Rouge de Belgrade tombé la Cali devant Benfica qui bat les 2-1. Di Maria sorti meilleur match. Atalanta de Bergame avec Arsenal fait match 0-0. Arsenal était très décevant dans le match de football, puisque l'équipe Atalanta, et quand on décrivait, Arsenal les barils de barils, Atalanta a dominé. Atlético Madrid gagné RB Leipzig 2-1. Griezmann fait une dans 2-0. Brest bat Stonegrass 2-1. Et puis gagné Monaco lui-même qui calé Barcelone 2-1. Nous connaissons, j'en nous fais vidéo ça, c'est toujours un match nous prenons, nous analyser sur tout match gagné. Parce que nous ne pouvons pas analyser tout match. Et bien hier, match, pas dit plus important. Est-ce que Arsenal Atalanta et par exemple Pigo? Non, pas vrai, m'a pas menti. Barcelone tombe à Monaco 2-1, c'est la première défaite de Barcelone dans la compétition, dans toute compétition confondue. Monaco calé Barcelone 2-1. Et Akilouche, 16e minute de jeu, avec Ilan Kenya, en Nigérien, 71e minute de jeu, c'est deux nègres qui ont marqué pour Monaco, pendant que Yamal, 28e minute de jeu, t'es égalisé pour l'équipe et Barcelone dans mi-temps pour finir 1-1. Qui ça qui passe dans le match ça? Bien bonheur dans le match là, 10e minute de jeu, Marc-André Ter Stegen et font une erreur monumentale. Barcelone, c'est même style, joue à l'Espagne, joue à City, joue à Arsenal. Et entraîneur qui l'a aligné ça yo. Goalkeeper pas crasé. Faut ballon sorti propre. OK. Ter Stegen gon ballon la main à la 10e minute de jeu match à 0-0. Ter Stegen gagné Kubasi qui ouvre à droite et Garcia qui ouvre à gauche. Et puis gagné on veut Monaco qui vient faire pressing sous Ter Stegen. Li campé entre Kubasi et Ter Stegen. Ter Stegen de ka ouvert sur la gauche pour Inigo Martinez. Et grâce à détacher il vient Ter Stegen et puis gagné un joueur qui dans d'autres Ter Stegen qui vient tout. Ça côté joueur qui capable face Ter Stegen là. Logiquement c'est ouvert pour la ba Inigo Martinez ou bien ouvert pour Kubasi. Ter Stegen te gagne deux possibilités. Et puis le troisième qui va exister à Elie Joisif. Même si Gacha est venu, Ter Stegen pas de balle ballon et Gacha pas wè dol. C'est Ter Stegen qui en face et Gacha qui wè ki moun ki lan dol. Ter Stegen bay et Gacha passe là. Et nèg ki te lan dol la gete fait anticipation le voler ballon et Gacha pas même gete envoyer boule là. Et qu'on a Gacha pas kalan kan regarder et puis lan courir pour aller voir si la sauver situation hein et contact attaquant tombé. Et Garcia fait faute et puis et Garcia vient dernier arrière parce que côté Kubasi avec Inigo Martinez Teria, yo pa la ka aidel. Carton rouge match chaviré la même Barcelone. Deux derniers matchs Barcelone yo, quart de finale contre Paris Saint-Germain son carton rouge qui mettait au dehors dans match là, dans match qui était paraître dans main yo. Yo était mené sous Paris, un carton rouge craser match la meilleur de Ronaldo Arroyo et mais fois ça c'est Eric Garcia qui t'a vu médian défensif en de match qui sorti bonheur pendant que Barcelone gon paquet absence et qui pas des joueurs de qualité notamment Olmo et qui a vu très bien pour yo Olmo pas là dans match Olmo blessé pour un mois au
automatiquement que ça a vienne arriver Barcelone vienne à jouer à 10 contre 11 à la 10e minute de jeu. Ça veut dire donc yo pral jouer 80 minutes dans match là à 10 contre 11. Et quoi maintenant donné Monaco par une mauvaise équipe et puis la domicile depuis là Barcelone a souffri avec 10 contre 11 là et 6 minutes seulement Akelou Chabalou Vescolan a pris un bel enchaînement, frappe pied gauche à contre-pied, test gagne pas capable faire 1-0 pour Monaco. Monaco continue à peser Barcelone, Monaco continue à dominer, mais avant Monaco ou Vescolan la 14e minute de jeu Rafinha joue 1-0 pour Barcelone. On passe en profondeur, Rafinha a porté pour contre la carrière. Rafinha marché sous boule là, Ariya est en tunnel, prend ballon dans main Rafinha. Et 2 minutes après, Monaco prend l'ouvre score. Et Barcelone vient plus ou moins reprendre le bloc et 20e 25e minute de jeu et 3 minutes après 25e il y a mal pour égaliser, l'on superbe goal il fait en Solis, l'on passe en profondeur de Casado, il y a mal coré Ariya mais pas poussé, il coré Jean et Alan Defel. Le dernier match City dans le championnat, les Allemands ont couru arrière Brentford là pour te faire deuxième goal là, son mouvement consacré a mal fait, il couru arrière et puis il parti. Comment il a senti il a mal couru lui-même, il fait mettre dans la tête mais il a pas prendre la donne parce que va parler l'arbitre puisque il a mal pas de pousser monsieur, n'est pas qu'il doit courir. Et monsieur parti l'entrée et là arrivé en dedans avant l'entrée dans carrière, ils font tir croisé fois pied gauche. Et goal 1-1 Barcelone égalisé. Ça vient mettre Barcelone en confiance et match a déroulé, Monaco est toujours gagné avantage parce que li gagné supériorité numérique là Barcelone obligé te gagner en médian défensif qu'il pas gagné encore parce que t'a joué avec double pivot et Garcia avec Casado. Casado pas mauvais joueur du tout hein. Bagala vient compliquer la main Barcelone. Dans deuxième mi-temps, équipe Barcelone redi en pile mais yo pas prendre goal là quand même les que et Thibaut Nomza qui était entré en cours de jeu nigérian t'a pas marqué goal 2-1 Ter Stegen voye boule là aller mais avant Ter Stegen encore Rafinha encore joue une possibilité pour Barcelone de passer 2-1 yo passe en profondeur Rafinha aller pour col. Défense Monaco a été mal aligné. Goalkeeper a sauté. Mais Rafinha a eu un avantage ballon parce qu'il est arrivé avant goalkeeper. Monsieur Alphon, grand pont sur goalkeeper. Grand pont pas bon. Ballon frappé dans le corps goalkeeper. Rafinha pas passé pour le défaire de rien pour Barcelone. Et George Iengena, son passe de Vanderson, tapoual bat, pas de gain en jeu. Inigo Martinez s'est retiré au jeu. Monsieur Tapal bat Ter Stegen. On frappe en force. Ter Stegen veut boule là, mais boule là aller là quand. Parce que Ter Stegen pas de force assez pour le voir le ballon aller. 2-1 pour Monaco. Équipe Barcelone a plusieurs changements faits. Mais ça va pas régler 1-1 pour yo. Même Rafinha ça encore. L'autre 3 contre 1. Passe en profondeur. Il fait un petit coup de tête pour corriger le ballon pour aller pour Colin. Rafinha marché sous boule là. Il n'y avait pas de jour monsieur du tout pendant que monsieur était très bon dans commence la saison hein? Mais hier et après Ter Stegen Rafinha c'est un monde qui était capable de sauver Barcelone le match football ça en trois occasions monsieur marchait sous ballon hein? Et puis Ariya qui était courir tourner il prend ballon pendant que Barcelone était en possibilité de 3 contre 1 négocié à 25 mètres de goal là Rafinha mal négocié contre attaque là Barcelone parvient égalisation 2-2 match a fini 2-1 la fin match là arbitre là bas en pénalité et Valant relé l'a regardé et Abilato et Valant totalement gain raison Inigo Martinez pas de faire faute Abilato pense Inigo prend pied les Michel regardé l'en Valant dit qu'il était trompé mais pendant qu'il était trompé là il simet carton sur nèg yo il bail carton je que tu viens contester Alejandro Balde prend carton Marc Casado prend carton jaune la 85e minute de jeu action ça passé et les Michel allé monsieur éliminé et pénalité a même je pas éliminé carton yo. Je vais Barcelone c'est contesté ou t'as contesté pour te dire arbitre là pas gagné pénalité sur action ça et le fait que t'as contesté arbitre là ba yo carton jaune qu'on est à si wa le bon décision ou éliminer pénalité a ou que le pas faute ou éliminer carton jaune faut qu'on éliminer tout
moi pense faut que pense avec ça pour jouer. Et comment étant donné Abit là éliminé carton, hein? Faut Abit là éliminé pénalité et joueur gain raison la contestation que t'a fait, faut Abit là éliminé carton tout, mais il pas fait il juste éliminer pénalité. Et Monaco le plus logiquement du monde, Barcelone résiste pour diable mais le perdit quand même parce qu'il fait toute 80 minutes et au débat 5 minutes en plus ça fait 85 minutes que le joueur a 10 contre 11 il perd du match là. Mais et championnat ça a aucun temps pour récupérer au sous mal parti parce que pas qu'on fait de groupe soit on fait de placement. C'est dégager pour bien positionner, même si vous n'êtes pas parmi les 8 premiers qui qualifient directement, et mais faut que l'on peloton, deuxième peloton, qui permet que l'on joue barrage, qui est capable de permettre que l'on participe à la 8e de finale, lorsque que la compétition va démarrer le mois de janvier, puisque nous connaissons, d'ailleurs, le championnat va finir en janvier, 29 janvier même, et puis pour le barrage en février, le championnat va venir plus long. Et classement, son classement, je mettais le pour nous là, n'a pour un classement clair. Équipe qui est en tête là, c'est Bayern Munich. Bayern Munich, c'est lui-même qui est en tête parce que c'est lui qui fait plus de goals la première journée. Après ça, Celtic de Glasgow, c'est lui-même qui est deuxième parce que lui-même tout lui bat plus de goals. Par contre, question de groupe, tout 36 mounio ensemble. Sauf que tous les 36 pas joué. Les 36 mounio ensemble, comme on pas joué à tête ou pas bien 30, ou pas bien pour jouer 35 matchs. Ou avez 8 matchs. Vous faites calendrier de quoi que, ou avez 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Par exemple, Monaco avec Barcelone, vous n'avez pas croisé encore. Real avec Stuttgart, vous n'avez pas croisé encore. Pas de match retour qui va faire la caisse Stuttgart. Inter de Milan avec Manchester City, vous n'avez pas croisé encore. Son seul match à jouer. Pas de match retour City, Inter de Milan qui va faire la Inter. Ou jouer 4 matchs à domicile, 4 matchs en déplacement. C'est comme ça que Bayern Savigny et c'est dégagé pour qu'on a le classement général là et n'a commencé avec classement on va pouvoir lire pour capable plus ou moins une idée de la première à la 36e pour nous qui monde qui dernier qui est-ce qui premier c'est Bayern Munich qui monde qui dernier on va pouvoir le classement qu'il a l'envisage voilà côté que nous voter tout classement pour nous t'es content ensemble avec vous c'est toujours même plaisir et vidéo ça. C'est Royal Omni qui l'a pour garçon et qui commence à rentrer dans l'âge qui a un problème man la permettre rester jam son petit produit normal lié ou capable prendre sans problème et sous besoin acheter ou mettre contact témoin parce que c'est une dans monde qui représenter produit ça en Haïti. Petit boîte la vendre $50 américains, petit boîte ça, il gagne 24 ans dedans. Soit pas chez le pour vendre pour faire business. 24 si pas quelqu'un dans là ou capable vendre 500 gouttes. Ça veut dire donc ou a fait bon petit bénéfice ou a fait à 500 gouttes il gagne 24 ça fait 2400 dollars haïtien qui c'est 12000 gouttes. Ou a comprendre. Donc un business là, team n'a fait business oui, mais c'est sponsor qui va moi représenter yo bon ici. C'est yo même qui permet que ou a suivre et vidéo ça et puis potiwa pizza la flat bush c'est potiwa pisket potiwa et anso potiwa et alors c'est pas potiwa c'est pizza grio pizza pisket pizza anso donc on vit manger un bon manger haïtien un bon pizza haïtien al sou flat bush là al la potiwa et gagne adresse là qui passe en bas screen là ou après côté adresse là avec tout numéro de téléphone nous al visiter nous ou pas regrette et tap tap sen et a positionné sérieusement là a fait transfert en Haïti et sous gen fam aux amou ou voye transfert ba en Haïti et ben utilisez tap tap sen utilisez promo code timoudi officiel là pour faire ça de pour servir avec promo code timoudi officiel là ou bénéficier 10% rabais le premier transfert ou gagner pour faire sous Haïti. Et puis Diri Pays, c'est un nouveau sponsor qui fait Riven Team là, Diri Pays et il gagne l'alo, il gagne petit mille, il gagne tout dans bar dans net et li sous marché local là, li sous marché international là et encourager Diri Pays ou pas regrette. Et puis et pour nous finir Mairie Delma toujours payer taxe pour capable permettre Mairie à
lui-même mairie d'Elma continue à avancer pour le bail population d'Elma bon gens service. Nous te content ensemble avoir pour vidéo ça, son nouvelle vidéo et pour tout bien pendant week-end là on a gagné émission en balai boule la fête ni samedi ni dimanche. Merci un peu tout le monde.